Pourquoi on croit toujours au Père Noël? Peut-être que la vie est trop cruelle. Et puis on nous a toujours dit que là-haut il y avait un paradis et que la vie était bien plus belle. Que les filles se promenaient toutes nues, qu'elles étaient belles, les moches y en avaient plus. Elles étaient envoyées au monastère pour s'occuper des vieux pépères, exactement comme sur la terre. Je crois bien qu'il a rêvé, papy. C'est bien dommage, je pensais comme lui. Mais j'irai pas au monastère, j'ai rien contre les mémères. Mais y'en a déjà plein ici. J'avais rêvé d'un monde bien meilleur, mais il s'est planté, le Créateur. Il avait toute la semaine pour peaufiner sa mise en scène. C'est bien raté, mon Seigneur. Ensuite, il a créé le bel Adam. Et pour compagne, une jolie maman qui lui a fait de beaux enfants. Mais l'un d'eux était un méchant. C'est bien raté le Nouveau Testament. Chose bien horrible, mais je l'ai trouvé dans la Bible. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais c'est une très bonne idée pour une bande dessinée. Je croirai plus jamais au Père Noël. J'ai passé l'âge de la maternelle. Parfois la vie est un peu con. Il faut se faire une raison. Il y a du mauvais et du bon. Pas rêver, on n'aura qu'une vie, et rien après, même pas le paradis, encore moins celui de l'enfer. On l'a déjà vécu sur terre, on se passera de Lucifer. Mais moi je vais refaire le monde, mais sans mentir une seconde. Pas de fable à la Jules Verne, pas de vessie, pas de lanterne. On peut rêver mon petit quinquet. Thank you.
Thank you.